Gaëtan Haas, magnifique victoire ce soir contre Ambry. C'était une équipe quand même en forme qui arrivait ici, mais vous enchaînez quatrième victoire de suite. Est-ce que tu penses que les trois défaites que vous avez vécues un peu plus tôt cette saison vous a soudé et vous a préparé peut-être à l'adversité? Oui, alors les trois défaites, bêtement dit, elles nous ont peut-être fait du bien, mais ça a déjà commencé pendant la prépa où on a eu beaucoup de défaites. Ensuite, ces trois, elles sont tombées à la suite. Bêtement, je pense qu'il y en a où on aurait pu aller chercher des points. Maintenant, on continue notre chemin. Là, on savait que ce soir, c'était une équipe qui est en confiance, qui venait, qui allait nous foutre la pression, qui allait être dure dans les 1 contre 1. Et on l'a vu, ça n'a pas été facile malgré le 5-1 à la fin. Ils nous ont mis souvent sous pression. On a eu de la peine à sortir les pucks à certains moments. Et ensuite, on met les pucks au fond au bon moment. Donc, c'est ce qui fait, je pense, à la fin la différence. Au début, vos entames de tiers également étaient très forts. Vous contrôlez bien le match à ce moment-là. Qu'est-ce qui, pour toi, selon toi, a fait la différence dans ces circonstances-là? Ouais, souvent, ça joue dans la tête. Tu commences le tiers ou bien tu commences le match. Il y a quelques minutes entre le premier shift et le vestiaire. Et tu dois juste être prêt dans la tête. C'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on a essayé aussi de travailler. Des fois, l'année passée, on a un peu de la peine avec ça, avec les entames de match surtout. Là, actuellement, ça se passe plutôt bien. Souvent, on fait des bonnes entames. On arrive des fois pas à le mettre au fond et puis on commence à se frustrer. Ce soir, je pense que ouais, toutes les entames ont été plus ou moins bonnes. Et sur tout le match, ensuite, on a quand même réussi à être assez solide. Il y a cette Harry derrière qui ressort de nouveau beaucoup de gros saves. Et voilà. Merci beaucoup. Félicitations. Merci.